Je pense très sincèrement que cela va redonner de la valeur à ce métier. Et pourquoi pas repenser la télé en République démocratique du Congo. Parce qu'ils sont des millions, ces téléspectateurs, à nous faire confiance. Ils suivront ce qu'ils n'ont jamais eu l'habitude de suivre. Je pense que c'est une vision novatrice de la télévision, une autre manière de faire la télé, une autre manière de présenter les faits, une manière juste, je veux dire. Nous sentons qu'il y a la volonté de faire mieux, de faire plus, et d'échanger définitivement les choses. Et le potentiel est disponible, je pense. C'est après un diagnostic approfondi de la télé en RDC que l'idée de créer Siloé TV a germé pour corriger l'état une fois pour toutes. Et la question qui m'est venue à l'esprit, c'est pourquoi pas faire différemment? Voilà. C'est une voie pour nous vers l'excellence et un défi en même temps. C'est pourquoi nous nous sommes décidés d'agir. C'est toujours un plaisir d'informer, de divertir, de participer au bonheur des millions de téléspectateurs. De construire, de produire, de créer. C'est un engagement pour l'excellence. Il fallait que nous soyons là. D'évoluer ensemble avec vous sans se focaliser sur les limites. C'est un challenge, oui. Mais je sais que nous y arriverons. Faites-nous confiance. La vie évolue et notre vision aussi. Siloé TV. Pour voir clair.